L'opération du diable. Dans sa chambre d'hôpital, Clémentine a appris la tragique vérité. À moins d'un miracle, elle ne pourra plus jamais marcher. Le professeur de la trousse décide alors de tenter l'impossible et l'espoir renaît dans les yeux de Clémentine. Un espoir que Malmotte ne peut tolérer. Depuis son antre de feu, le monstre démoniaque attire le chirurgien dans un traquenard, puis le tue. Tu as assez dormi comme ça. Quand on dort trop, on se ramollit et c'est très mauvais pour la santé. Allez, assieds-toi. Ne profite pas de ta maladie. Ça fait 3 semaines que tu as été opérée. Aujourd'hui, c'est moi qui vais te faire ta toilette. Mais vous me tirez les cheveux. Mais tu te prends pour une princesse ou quoi? Regarde comme tu es vilaine et sale. Je suis peut-être vilaine et sale, mais je m'en moque parce que je vais bien te guérir grâce au professeur de la trousse. Il me l'a promis. Ma petite, il va falloir te faire une raison. Le professeur de la trousse n'est plus de ce monde. Vous inventez cette histoire pour me faire peur. Mademoiselle Bleue m'a dit qu'il était parti en voyage. Mais pour qui me prends-tu? Comment je pourrais inventer une chose aussi horrible? Tu as l'esprit bien mal tourné. Mon père, je veux voir mon papa maintenant. Ton père viendra te voir à l'heure des visites comme tout le monde. Et désormais, c'est le docteur Billot qui dirige le service et il respecte le règlement. Allez, ne pleurniche pas. J'aimais bien moi aussi le professeur de la trousse. Vous mentez. Vous n'arrêtez pas de mentir. C'est insolente. On commencera les exercices de gymnastique dès cet après-midi. Et c'est moi qui m'en occuperai. Je suis désolée, monsieur, mais les visites sont interdites le matin. Je suis aussi désolée, mademoiselle, mais il est interdit de me parler le matin. À ce soir. Attendez, monsieur, je vous ai dit que les visites étaient interdites le matin. Docteur Billot! Docteur Billot! Papa! Ma chérie! C'est pas vrai ce qu'elle m'a dit, mademoiselle Chevrotine. Il est pas mort, le professeur. Il a eu un accident, lui aussi, et plus grave que le nôtre. C'est vrai, il est mort. C'est une perte irréparable pour la médecine. Docteur Billot, j'ai l'honneur et la tristesse d'être le remplaçant du professeur de la trousse. Ce qui lui est arrivé est épouvantable. Un homme si calme, si prudent, mais pourquoi conduisait-il aussi vite? Oui, bien sûr. À l'école de médecine, j'étais son élève. Il m'a tout appris. Le professeur de la trousse nous avait laissé un tel espoir. Il était le seul à pouvoir faire un miracle. Je ferai de mon mieux, petite Clémentine. J'aime les enfants et je ne supporte pas de les voir souffrir. Est-ce que je pourrais remarcher un jour? On n'en est pas encore là. Pour l'instant, il n'est plus question d'opération. Nous allons faire de nouvelles radiographies. Allez, embrasse ton père. Il reviendra te voir ce soir, d'accord? Oui. Au revoir, papa. Oh, voilà un village. Nous n'avons plus d'eau. Il doit certainement y avoir une fontaine. Là, ici. Si je pouvais arriver à me poser sur la prairie, ce serait parfait. Oh, mon Gontran, je vais pouvoir te cueillir le pissenlit. De l'herbe grasse. Regardez. On dirait qu'il se dispute une noix de coco. C'est
Ils sont bêtes. Ils tapent dessus. Ils la mangent même pas. Oh non, non. Qu'on est mal tombé. Pourvu qu'il nous envoie la noix de coco. Ah bon? C'était une prise de sage! À moi la noix de coco! À moi! Donne! Donne! Hé! Balance! À moi! De la visite. Il est temps de me refaire un brin de maquillage. Vos papiers. Je m'appelle Éole. Ça ne suffit pas. Je suis trapéziste. Ça ne suffit toujours pas. Eh bien voilà, je fais une escale avant de poursuivre le voyage vers l'Afrique où ces animaux seront plus heureux que dans un cirque. Ça suffit, oui, j'ai compris. Vous êtes accusé de vol d'animaux de cirque, de vol de ballons dirigeables, de vol de ballons de football. Au poste, votre compte est bon. Belote. S'il vous plaît, monsieur le gendarme, pourrait-on avoir un morceau de pain? Nous mourrons de faim. Moi, j'aime bien les animaux, mais je n'aime pas les bohémiens. Après vous. Oh, je n'en ferai rien. Merci. Vous allez nous garder longtemps en prison. Pas de famille, pas d'amis, traîne savate en plus. Voleuse, tu seras sûrement encore là pour les fêtes de Noël. Mais si j'ai un ami, il s'appelle Alex, c'est un grand pilote. Et menteuse par-dessus le marché. Mon brave Basile, je te le donne. Je sais que c'est un vieux coucou, mais tu seras certainement capable de le bricoler. Et puis, ça te rappellera ton vieil Alex. Alors là, vraiment, je ne te comprends pas. Tu as consacré toute ta vie à l'aviation, et maintenant tu veux t'arrêter? Non mais tu es fou ou quoi? Pas du tout. Tu sais très bien que la mort ne m'a jamais fait peur, mais cette fois-là, je n'étais pas seul. J'ai failli tuer Clémentine. Nous perdons de l'altitude, nous allons tout droit sur la forêt. Mais tu n'y es pour rien, c'était un sabotage. Et en plus, poser un avion sur un mouchoir de poche est un exploit. Tu le sais très bien d'ailleurs. Les exploits et les honneurs, je m'en moque. Désormais, la seule chose qui compte, c'est ma fille. Maintenant que le professeur de la trousse est mort, je dois rester auprès d'elle. Papa! Papa! C'est un message d'Éole. Hein?
que tu vas faire, dit papa? Ne t'inquiète pas, petit boy. On va les sortir de là. Papa, il faut sauver Eole et ses animaux. Bien sûr, ma chérie. J'ai téléphoné à la gendarmerie, mais ils n'ont pas l'air commodes. Il va falloir que j'y aille. Il faut y aller tout de suite, papa, tout de suite, avec l'avion. Mais je ne peux pas te laisser toute seule dans les pattes de cette horrible infirmière. Mademoiselle Chevrotine. Oh, et depuis l'arrivée du nouveau docteur, elle est devenue très gentille et nous sommes amies maintenant. Des amies? Tu n'exagères pas un peu? Mais non, je te jure, c'est même elle qui va s'occuper de ma rééducation. Et puis, tu as vu le docteur Bio? Eh bien, il trouve que sur ma dernière radio, je sais plus comment il a dit. Il a dit que tout allait bien. Bonjour, mademoiselle Chevrotine. N'est-ce pas que nous sommes amis maintenant? Mon père n'arrive pas à le croire. Il a peur de me laisser seule ici. Il ne veut même pas s'en aller. S'en aller? Il doit s'en aller? Mais oui, il le faudrait. Oui, il doit s'en aller pour sauver nos amis qui sont en prison loin d'ici. Oh, dites-lui, mademoiselle Chevrotine, dites-lui qu'il n'a rien à craindre et que je suis dans de bonnes mains. Vous pouvez partir tranquille, je veillerai sur elle. Promis. Elle est pour moi, cette piqûre? Mais non, mon trésor, c'est pour la malade d'à côté. Mon trésor? Elle a bien changé tout d'un coup, cette infirmière. Et cette autre infirmière, là, mademoiselle Bleue, qui est si gentille, elle s'occupe toujours de toi? Oh, mais oui, bien sûr. Alors tu vois, je ne suis pas toute seule ici. Mademoiselle Bleue, petit boy, il y a aussi Léonie, et puis Nico, et le docteur Bio. C'est elle qui a besoin de toi, pas moi. Je vais voir le docteur Bio. Le professeur de la trousse allait tenter l'impossible. Quant à moi, je préfère cette méthode plus lente, mais beaucoup plus sûre. Une méthode infaillible. Vous pouvez donc partir sans crainte et vous verrez qu'à votre retour, la petite Clémentine aura fait des progrès. C'est vrai, vous en êtes bien sûr? Mais oui, le mal dont elle souffre ne m'est pas inconnu, au contraire même. Allez, croyez-moi, monsieur, Clémentine bénéficiera des leçons que m'a données mon maître. J'avais une confiance infinie dans le professeur de la trousse. Je vous comprends, mais vous devez aussi me faire confiance. Pour l'instant, il n'est pas question d'opération, mais rassurez-vous, je ferai tout mon possible. Et vous verrez, à votre retour, je suis persuadé qu'elle sera méconnaissable. Tu sais, Alex, depuis que je suis avec toi, je t'ai souvent vu partir, mais cette fois-ci, ça me fait plutôt chaud au cœur. Allez, contact! Au revoir, reviens-nous vite, papa! Crois-tu qu'il ramènera Starlet? Si tu veux en avoir le cœur net, pars donc avec lui! Mais j'y songe, figure-toi! Oh, vous entendez ça? L'amour lui fait pousser des ailes! Mais dis-moi, Clémentine, c'est pourtant à cause de lui que tu es paralysée. Non, pas du tout, docteur, c'est pas vrai. L'avion avait été saboté. C'est pas la faute de mon père, c'était la faute de Molache. Ah, ce Molache, pas très malin. Il a été bien maladroit. Mais vous le connaissez? Qui, Molache? Oh, un ancien associé. Mais pourquoi t'en inquiéter? Maintenant, montre-moi tes jambes. Je veux vérifier si tout cela n'est pas une comédie. Ah, mais je ne t'ai même pas touché. Et mademoiselle Chevrotine, notre malade est une vraie douillette. Je n'arrête pas de lui dire. Il y a eu beaucoup de remue-ménage dans cette chambre. Vous allez donc la transférer au deuxième étage dès aujourd'hui, tout près du bloc opératoire. Jusqu'à nouvel ordre, les visites sont interdites et vous fermerez la porte à clé. Bien, docteur. Quant aux promenades dans le parc, vous remplacerez Mademoiselle Bleue à partir d'aujourd'hui. Suis-je assez clair? Bien, docteur. Mon père va revenir bientôt et il ne vous laissera jamais faire ça. Mais pour l'instant, ton père est loin, très loin. Allons-y.
jusqu'à nouvel ordre, les visites sont interdites, monsieur. Comment? Sur ordre de qui? Ordre du docteur Billot. Ce nouveau docteur est terriblement sévère. Mais je vous donnerai des nouvelles de Clémentine. Je me débrouillerai. Merci, mademoiselle. Vous pourrez lui donner nos paquets. Ça, c'est le gâteau qu'elle adore, fabrication Léonie. D'accord. Mademoiselle Bleue, vous voulez vous faire renvoyer? Pas de gourmandise pour les malades, c'est compris? Ça sent plutôt le renfermer ici. Allez, c'est l'heure de ta promenade. Il faut que tu ailles prendre l'air. On va faire le tour de l'étang, ça suffira pour aujourd'hui. Faites ce que vous voulez. J'ai horreur d'entendre des bruits sans savoir ce que c'est. Ah, si ce sont des bêtes, je... Ah, ah, mon Dieu! Ah non, non! Ah, va-t'en, sale bête! Va-t'en, sale bête! Ah, allez voir le docteur Billot, il vous soignera très bien. Viens, viens, Mignon. Vous n'avez pas peur. Tu es jolie. Clémentine, tu es inconsciente, on ne peut plus, tu restes au fond du lac. Mais il fallait bien que je sauve le petit chat. Mais quel petit chat? Celui-là? Puisque tu l'as sauvé, il est à toi, Clémentine. Ce sera ton nouvel ami. Vous n'avez rien à faire ici, mademoiselle Bleue. Mais docteur, Clémentine allait se noyer et je... Ce n'est pas une raison. J'avais donné des ordres stricts et vous avez désobéi. Vous êtes renvoyée. Mademoiselle Chevrotine, reconduisez Clémentine dans sa chambre et préparez-la pour l'opération. Mais quelle opération? Écoute-moi bien, Clémentine. C'est une opération nécessaire. Tu peux me faire confiance. Moi aussi, je suis un grand chirurgien. N'aie pas peur. Mais vous n'avez pas le droit. Je ne veux pas. Mais docteur, la salle d'opération n'est pas prête. Ce n'était pas prévu. Je n'ai besoin d'aucune préparation et on ne discute pas mes ordres. Oui, oui, elle va très bien. Oui, bien sûr, on a des nouvelles tous les jours. Ce qui me gêne le plus dans tout ça, c'est qu'on ne puisse pas rendre visite à Clémentine. Rien n'a changé de ce côté-là. Heureusement, demain, vous serez là. Vous avez réussi à sauver Éole et ses animaux, et ça, c'est une bonne chose, au moins. Non, non, c'est Gontran, c'est lui qui miaule. Oh, je sais pas ce qu'il veut. Oui, oui, d'accord, on vous embrasse tous. Et ma starlette dans tout ça? Au revoir. Ah, oh, vous êtes là. Mon Dieu, mais c'est Mademoiselle Bleue. Bonsoir. Oh, il se passe des choses très graves à l'hôpital, madame. Le docteur Billot est un fou dangereux. Il veut opérer Clémentine dès ce soir. Il l'a décidé sans consulter personne. Il faut faire quelque chose sans attendre. Oui, vous avez raison. Allons-y maintenant. D'où sors-tu pour sortir le nénuphar, mon petit? Ah, qu'est-ce qu'il est mimi! Allez la chercher, je le veux. Le temps presse, mademoiselle Chevrotine. Dépêchez-vous.
savez très bien ce qu'il va faire, n'est-ce pas? Pourquoi vous faites ça, mademoiselle Chevrotine? Pourquoi lui obéissez-vous? Je ne sais pas. Je ne sais plus. C'est un démon. Je vous attends, mademoiselle Chevrotine. Qui croyait que tu m'avais abandonné? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'allais faire? Mademoiselle Chevrotine! Mademoiselle Chevrotine! Triste pantin. Retourne à tes fournaises et va dire à ton maître que le combat ne fait que commencer. Tu as raison, Emera. Notre combat ne fait que commencer, je te le promets. Tu perds ton temps, Malmotte. Clémentine est sous ma protection. Justement, Emera, je vois très bien que tu tiens à cette petite comme à toi-même. Elle te ressemble beaucoup, je la brise. Tu n'auras jamais le droit de régner sur cette terre, Malmotte. J'y veillerai. N'ayez pas peur, elle est seulement évanouie. Papa, tu es là? Toi aussi, Éole? Alors, on ne se quittera jamais plus maintenant? Mais bien sûr que non, ma petite chérie. On va même faire un voyage tous ensemble. Et on a une autre bonne nouvelle à t'annoncer. Papa est le nouveau champion du monde d'aviation. C'est formidable! J'ai signé un contrat avec l'Aéroclub de France. Alors on va faire plein de voyages. Et on va prendre l'avion. Et en plus, nous avons hérité du trésor de Molache. Et on va pouvoir s'acheter un bel avion. Un gros avion pour tout le monde. Sans oublier mon chaton. Dans ta bulle bleue, tant pis si c'est dans...